ça va. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Hello! Bon, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me filme dans le miroir, donc on est dans notre super grande chambre avec Alissou. Où est-ce qu'on est, Alice? On va voir quoi? On va voir les... Hello! Bon, elle fait la timide. On va voir les loups. Donc là, en fait, on fête les 30 ans de Choupipi. Donc c'est son cadeau d'anniversaire qu'on lui a fait avec la famille et tous ses copains. Donc encore merci à tous ceux qui ont participé à son cadeau. Donc on va vous faire, on va vous faire découvrir ça. En tout cas, je vais vous mettre les images du logement qui est incroyable. C'est génial. Et puis voilà, c'est un petit séjour de 2 jours. On reste qu'une nuit ici, mais il y a plein d'animations, plein d'activités prévues. Donc je vais essayer de vous filmer tout ça et de tout vous montrer. Voilà. Bon, nous voici arrivés à notre hébergement. Je vais vous faire une petite visite guidée. Franchement, c'est trop trop beau. Quoi? Je ferme la porte, est-ce qu'on se fait? Non, tu ne montes pas toute seule. Alors. D'accord. On a demandé des lits bébés pour les enfants. Ça, c'est la première chambre. C'est assez haut de plafond. Et là, c'est toujours sur l'enclos des loups, les fenêtres. Là, nous avons la chambre des parents. Super haut. C'est trop beau. Ça sent trop bon le bois. Voilà, on va bien dormir. Ici, on a une super grande salle de bain. Trop beau. Après la douche, je découvre en même temps que vous. Hein. Super grande douche. Trop beau. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est hyper hyper haut. Donc ça, ça donne sur l'enclos des loups. Ils sont pas encore là pour l'instant. Oh regarde, ils sont là-bas les loups. Wow. Regarde Alice. Wow. Regarde les loups. On a Mimi. Bon, je finis la visite. Tu le vois là? Regarde, il est là. Petite cuisine. Là. Regarde comment il est beau. Là, on a un canapé avec un poêle. Regarde. Encore un lit en mezzanine ici. Tu le vois là? Oh, ils sont tous là. T'as vu les loups, Alice? Coucou les loups. Ah, c'est trop bien. Les loups. Les loups, les loups. Oh, allez, celui-là, il est beau. Alors, vous êtes content? Pas du tout, c'est horrible. C'est le pire endroit du monde. Joyeux anniversaire, Choupipi. T'es contente, Alice? Oh, regarde Alice, oh là là, c'est trop beau, regarde. Ouah, c'est trop beau, eh, c'est trop beau. Ouais, il vient nous dire bonjour. Qu'est-ce qu'il... Oh, il y en a un, il est massif derrière. Bonjour. Ils sont curieux, ils viennent nous voir. Oh là là, ils sont trop beaux. Ah ouais, oh là là. Non mais c'est... on dirait des faux. Oh, joyeux anniversaire, papa. T'es content? Oui, on était bien accueillis par les loups. C'est un beau cadeau. Oh, oui. C'est nul comme cadeau, mais c'est pas grave, le prends quand même. Ah ouais, puis petite nouveauté pour cette nouvelle vidéo. Quand même. Milan. Maintenant, nous sommes 4 pour voyager. Bon, on fait soft pour un premier voyage avec bébé. Enfin, quoique, il a quand même fait 900 km. Hein. Ah, il y a même le trombinoscope des loups. Voilà. Nous voilà partis pour notre première animation. Normalement on a un goûter puis après
l'animation se fait autour du thème des loups. Avec petit Mimi. Et Alice aussi dans sa poussette là. C'est un peu à la bourre. Oh, une guenon. C'est l'heure du goûter. On touche pas ça. Non. Tu viens n'importe où ? Je me suis mise là pour ça, tranquille. Bon appétit. Tu manges quoi, Lissou ? Alors, crêpes avec brownie, avec tout en même temps. Chocolat. Tout mélangé. Voilà, donc c'est un petit avant-goût qui vous attend pour cette nuit. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Alors, le wapiti, il s'est dit pendant des années et des années, j'avais la paix, j'avais pas de prédateurs, donc tant qu'à faire, je vais avoir une vie tranquille. Je vais me mettre près d'un cours d'eau, comme ça à boire, j'ai à droite, et à gauche, j'ai à manger. Le problème, c'est que c'est plus gros qu'un cerf. Ça pèse 200. Et je sais que ça ne se voit pas de nouveau. Mais l'individu que vous avez par exemple jusque là, il va savoir très bien que là s'il arrive, il va s'en prendre plein la tronche. Et du coup, en gros c'est là. C'est le seul. Il y a la balle. Alors dans cette meute il y en a deux. Vous avez Gepetto et non, pas Pinocchio. On vient de rentrer de notre petite activité. Alors je vous cache pas que il fait bien froid, hein. Je pense qu'il fait presque 0 degré. Et voilà, je suis rentrée un petit peu plus tôt avec les enfants parce que Alice s'impatientait et puis il faisait vraiment froid et humide. Comme vous avez vu, Alice a sauté dans les flaques. Et on nous a livré notre petit repas dans un panier. Tartare de Saint-Jacques, cocotte de sauté de veau français, pommes de terre grenaille, légumes de saison, fondant au chocolat et du pinot noir et de la caroula. Voilà. À toutes. À toutes. Ils sont là, les loups, ils sont en train de chanter. Regarde, ils sont là, Alice. Il y a Poupou. Ça. Loup. Regarde, les loups, ils sont là, Alice. Enlève-toi, je vois plus. Bah, je l'ai vraiment. Ah, t'as vu Alice, ils viennent tous te voir. Regarde. Regarde, ils te disent bonjour. T'as vu? Pas là. Pas là. Non, pas là. Il y en a plein.
Mais oui, il y en a plein. Hein. Là, c'est là. On dirait lui, celui-là. Tu regardes le trombinoscope? Oui. Regarde, il y en a un autre qui vient nous voir. Regarde, regarde Alice, il est là, regarde. Regarde. Avec les yeux rapprochés. Ouragan. Les yeux rapprochés. Oui, il a l'oreille. C'est Ouragan, lui. C'est Ouragan. Oui, il a une oreille un peu baissée, comme sur la photo. Lilou. Et on vient de nous livrer notre petit déjeuner. C'est pas trop ce qu'il y a dedans. Toujours en face du loup qui nous regarde. Tu veux des croissants, Alissou? Du jus de fruits, des croissants. Ah, du jambon. Du fromage, des yaourts. Bio. Du chocolat chaud. Miam miam. Du coup c'est trop bien. Je suis pépouse. J'allaite bébé devant les loups. Un jour on m'a dit que je ferais ça. La classe. Comme ils viennent tout près. On touche ça. Ouais, ils s'en vont là. Oui. Pas de bien. Pas de bien. Y a pas tout. Tu lui as su la bouche? Oui. Oh. Ça. Bon appétit. C'est de l'orange. Notre petit déj. Alors c'est que des trucs bio. De quoi ça? Confiture de Mirabelle. Oh. Ça c'est du jus de goyave, du lait. Il y a même un pâte à tartiner. Bon appétit. Bon appétit. Coucou. Eh ben, nous voilà partis pour notre deuxième journée. Donc, la nuit a été un peu mouvementée, mais pas à cause des loups, plutôt à cause des bébés. Hein. Milan s'est réveillée à peu près toutes les heures, et Alice aussi. Enfin, bref, je sais pas ce qu'ils ont eu cette nuit, qui dort parfaitement bien d'habitude. Donc. C'est pas grave, du coup, moi, je me suis un peu levée entre chaque, et puis j'ai pu aller profiter un petit peu des loups. Ce matin, comme vous avez vu sur les images, il y avait les loups juste devant notre baie vitrée, c'était magnifique. En plus, on les a entendus hurler, etc. C'était top.
Donc voilà, on a pris notre petit déj, et là à 11h on a encore une animation. Donc en fait l'animation, on est avec un soigneur qui nous fait faire toute une partie du parc. Donc on regarde les animaux et puis on a le droit à plein d'explications par rapport aux animaux qu'on va voir. Donc c'est génial. Et on a encore un repas à midi et après on est en quartier libre dans le parc. Attendez, je vais vous montrer parce que là je suis en train de vous parler, il y a les loups qui arrivent juste en face de moi, c'est trop bien. Désolée, je fais bouger la caméra, mais il est en train d'arriver. Alors sur les images, je vous montre les loups comme s'ils étaient là absolument tout le temps en face de notre logement, mais non. Par exemple, ce matin, les images de tout à l'heure, il devait être 8h à peu près. Là, il va être 11h et ils reviennent seulement. Et Choupipi, qui s'est levé une demi-heure après moi, il les a pas vus. D'ailleurs, là, il les prend sa touche, donc il ne les voit pas non plus. Bon, Alice, elle écoute des chansons. Le petit Mimi, il est ici. Avec le gros loup. C'est vraiment très chouette, ça va nous manquer hein, quand on va partir. Et alors un truc que je n'ai pas dit qui est vachement bien ici aussi, c'est que le parc mène une politique éco-responsable. Donc c'est super, hein, moi, un peu dans l'air du temps. Et par exemple, là, il y a les poubelles. Enfin voilà, j'ai jamais vu ça dans un hôtel, donc c'est top. Le compost, le verre, les autres déchets, le plastique, etc. Enfin, je trouve ça top. Voilà, même les mouchoirs, hein, c'est du papier recyclé. Dans la salle de bain, c'est aussi du gel douche, etc. Issu de l'agriculture biologique. Quand on réserve, ils nous disent de ne pas imprimer les réservations pour pas gâcher de papier. Enfin voilà, je trouve que ça c'est plutôt top. Enfin, ça va avec le truc, mais je pense que c'est pas mal de le souligner pour ceux qui aimeraient venir un jour. C'est super. Bon bah, Alissou, prête à partir. En mode petit bibindome. On y va, on va voir les animaux? Oui. Allez, go, on y va. Là. Non, on sort par l'autre porte, l'autre côté. Là-bas, il y a déjà Mimi qui nous attend. Je vais arriver, ils ont dit oh, il y a la boîte. Ils sont pas débiles. Mais ils passent en dernière, j'ai vu. Donc ce qui est bien dans cette zone, c'est qu'on arrive facilement à les reconnaître. Par exemple, celui que vous avez devant vous, il s'appelle Torgal, suite à un combat. Ce n'est pas vrai, ils sont capables de manger un petit peu de tout. Ils sont comme omnivores. Et ça va en fait dépendre des saisons. Par exemple, au printemps, comme c'est la repousse des végétaux, ils ne vont manger quasiment que ça. À l'été, comme il y a plein de petites choses sucrées, comme des petites baies, des fraises, des framboises, du miel aussi. Il n'y a pas que les oursons qui adorent ça, eux aussi. Toutes ces choses-là. Bon, alors, du coup, là, il pleut pas mal. Alors, nous, on va retourner à la petite cabane. On a pris le goûter hier en attendant le groupe. Parce qu'en fait, on fait les visites en groupe, mais là, avec les deux enfants, il pleut pas mal. Ah, là il y a le lynx. Mais non, c'est pas un loup. C'est un loup, regarde, c'est un lynx. Regarde à gauche. Il y en a trois même. Regarde, on dirait des gros chats. Tu les vois, Alice? On va sortir bientôt. Donc voilà. La cabane. Okay. Il fait pas très très chaud et puis il fait tout pourri, il pleut. Ah, il y a des biches là-bas. Mais bon, on va aller voir les biches après quand même. Alice? Coucou. Puis Alice, elle enlève son bonnet et tout ça. Fouf.
La pipi, maman. La pipi, maman. C'est bon, Alice? Bon, alors clairement, là il fait trop froid, on se pèle, là, surtout après avoir mangé de la bonne tartiflette au chaud. J'aurais même plus à parler. Donc on fait la mini ferme pour Alissou, on va faire 2-3 animaux sur la route et puis je pense qu'on va rentrer parce que il fait trop froid. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, des cafards! T'as vu? Et tout doux? Non, c'est pas tout doux les cafards, non? Non, non! Il y a plein de rats, tu peux là-haut? Ah, regarde, il y a des rats sous tes pieds! Tu les vois? Le cadeau, on l'ouvre après. Attends. C'est pour papa. Non, je peux ouvrir, ok. On fait d'abord ça. Non, parce qu'elle, elle pense à... Oh. Ah, attends, doucement. Attends, doucement. Mets-toi sur les genoux si tu veux, Alice. Oh, bah dis donc, tu caches là dans ton ventre. Ça manque de temps. Oh. Soit le bébé est mort, soit... Attends. Bah, il n'y a pas trop de biceps. Un peu de deux. Oh, elle est trop mignonne, Lina. C'est qui? Allez, vas-y, tire avec papa. Vas-y. Oh, là, on est bien là. Allez, vas-y, tire. Non, tourne. Tourne. Ah, trop stylé. Et découvrir que ça c'était chiant. Waouh, c'est quoi ça? Il y a un truc dedans. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi, Alissou? Waouh. Tu nous lis? Maman, ils sont où les crayons? Maman, ils sont où les crayons? C'est quoi? Peut-être ouais. Les déchirer, faites attention quand même. C'est quoi, Alice, le cadeau? Bon, Choupipi, tu ne feras pas 4000 vues sur YouTube avec ce silence. C'est de nature curieuse. Non, mais on va dormir. Oh, ouais, trop stylé. Non, mais regarde, t'as tout le programme. Bah oui, j'ai une droite. Non, mais dis tout le programme. On t'a pas dit en fin de soirée, il y a surprise. On part deux jours. Accès à votre hébergement à 14h. Okay. On va jouer au loup. On va suivre une vidéo autour du thème des loups. Allô, du coup. On verra. Tu viens plus en soirée. On a le dîner. Touche ma fourrure. Et le lendemain, on a l'animation, on mange là-bas. Je suis sauvage. Et on a accès au parc et puis on te. Voilà. Regarde, t'as des images sur le prospectus à côté du truc où on va être. Ah. Oh merde. Alors, c'est quoi? Oh, c'est stylé de ouf. C'est des cours pour savoir brosser dans le sens du poil. Elle est con. Mais pas comme ça. On dit comme ça. Et c'est de la part de toutes les personnes qui sont sur la carte ce que t'as lu avant. Ah oui. Ah oui. Oh, c'est trop stylé. Ah ouais. J'avoue que ça va être trop bien. Ça va être Non, papa, merci Choupi. Ouais.